Voilà, merci pourquoi vous nous suivez de partout dans le monde à travers votre émission Micro Populaire. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Grand merci à Junior Mboui. Grand merci à Mike à la régie finale. Grand merci également à M. Riffin qui sont baissés sans oublier Papi Kelly. Grand merci à M. Malet de London, le champion Zaka Kamoko. Grand merci à Mme Mado Tchibola qui nous suit depuis Paris. Grand merci à Mme Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador Les Soirs Faire Vivre. Grand merci également à Lenzulu Kable Balobi, l'homme à la taille de Jésus. Merci. C'est Lucas, l'homme à la taille de Jésus depuis Londres, de PC Mbote. Grand merci également à maman Lauriane et maman Araissa Michiku. Voilà, qui sont de parler un peu de ces mouvements, de ces phénomènes combattants. Il y a un bongo. Moko est combattant. Il y a salapé pas mal de combos. Au Bounios Boyebi également. Et Rex Kazadina Yende. Donc, on est capable de entretenir. Par rapport au mouvement, tout au phénomène, au bengi combattant. Et je le dis à Bato Mengi. On ne sait pas. Objectif, il y a un bongo. Nini phénomène ou un mouvement ou un combattant et salement à but nini parce que aujourd'hui là il nous semble que bah, phénomène en haut écoute ma cambobelle et tout et bah qui est combattant basala qui mouvement moko basala kaka qualité pour la bonne gouvernance et quota bah politique basala la volonté tout la conscience que basa pour l'intérêt à la population, pour l'intérêt à Mboka et non pour notre propre intérêt à Bango. Mais aujourd'hui, là, nous avons donc l'impression, on dirait, que Bango est un Mbelinga Mbelinga. On dirait que les combattants sont Kabwani. Mais ceux qui sont commis à Songol, Mpakala. Or, ceux qui sont combattants sont unis, ils ont une idéologie, ils ont animé Bango. Mais les gens, avec diversité, il y a un parti, avec diversité, il y a un homme politique, il y a un homme politique. Alors, je appelle un mécanisme, mais une vision politique. Alors, les politiciens vont profiter, vont s'imprégner d'un mouvement, d'un phénomène combattant. Ils vont mettre un peu de cabot là, combattant, pour nous couper leur propre intérêt dans le Bango. Or, les gens qui diaspora, parce que ce n'est pas que tous les diasporas sont des combattants. Mike, ça, le côté, en Afrique, tout ça, un peu ignorant. C'est pas dit que quand on est de la diaspora, on est automatiquement combattant. Non. Mais ça, on est en bateau, on est à l'étranger, mais ils sont apolitiques. Ceux qui parlent, ils sont intéressés à la politique. Mais il y a aussi des cela où ils sont souciés. Il y a des gens qui bien par rapport à la condition sociale. Il y a des gens qui sont en France, je ne sais pas moi, à Londres. Bandeko o peto tika pe na mboka na biso Congo to za pe na posa ba vivre pe ba avantage to ba vivre pe na ba condition sociale o biso to kuti na mboka ya mupaya raison pour laquelle bo mona phénomène to pe mouvement wana ya ba combattant e botama. Alors pour parler de ce sujet et to se perte ba bongo l'un de ces combattants o za penza ayeba na pe makase par rapport ya ba action tout bah mouvement n'est belé à cela animal parce que il a aussi été deux fois commanditaire et bah macambe belé tout yoka et bah casse et tout consomme à mon nini Rex Kazadi lelo oyo tu as perçu bisou quand même chance une émission bisou micro pour plutôt me camper consola naie depuis Paris et tous en ont point de vue naie par rapport à nous il y a mouvement wana tout et bah à long et à large mouvement tout phénomène combattant. Et Zala qui créé na butini et puis Ibanda qui voit puis voilà et avec la complicité de cette grande équipe Mike Toko t'as déjà en contact na Rex Kazadi depuis Paris puis on se retrouve tout juste après. Ouais voilà Rex Kazadi, bonjour, vous êtes notre invité dans l'émission Micro Populaire. Pouvez-vous faire une brève présentation par rapport à votre personne? Bonjour, je suis Rex Kazadi, le secrétaire général du BPK Ba Patriotes à Congo, qui est un mouvement politique implanté au Congo et proche, un mouvement tshisekediste et proche de l'UDPS. Et voilà, je suis un combattant de droits humains, un combattant de la liberté, et je me bats depuis plusieurs années pour l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Voilà en quelques lignes à la personne que je suis. Voilà. Okay, voilà, merci beaucoup Rex Kazadi pour cette présentation. Mais sinon, j'aimerais que l'émission soit un peu bilingue parce qu'il n'y a pas seulement la communauté française qui va nous suivre, mais également la communauté congolaise et pourquoi pas africaine. Voilà, Rex Kazadi, on aimerait un peu savoir, et là, on y est motivé qui Rex Kazadi à côté de la carrière politique, soit na carrière ou bengi phénomène combattant. Qu'est-ce qui a motivé Rex Kazadi, yako koma combattant et n'engba benga kabino?
Qui combattant to landa ba oyo bazala kili boso na biso, c'est-à-dire que ba premier combattant et baza iza ba ta eu des pêches ba mutu ba mema mo oyo ba combattant za d'abord ba ta eu des pêches ba to bazako lutter contre le régime de Mobutu na génération na biso régime oyo oppressé biso za ki régime à Kabila. Donc to telemela régime à Kabila et to bandeau ça là-bas action oyo bande konabiso parce que mouvement combattant phénomène combattant et botamana à Londres voilà nami konabiso parce que bato ba combattant oyo ya 2006 les loyo ba komana ba 50 ans misus na ba 60 ans donc ba komama mukolo mais awa na Paris ba combattant à Paris baza beaucoup plus jeune des générations de 20 ans jusqu'à 50 ans donc il y a un peu de tout le monde et yangoana oh ya combattant à Paris mutubasala ba action aminene que vous monana mukili moi j'ai participé à ça donc na combattant na sans wana surtout pour combattre le régime de Kabila et surtout et surtout n'importe qui bino se battre pour l'établissement d'un état de droit sachant que na mboka na biso to kufela 8 millions de morts sans que tilelo na déjà na katambo kana biso tozo reconnaître en haute tozo ça la elo ko morote pour na bato ba kufa etc et en plus on n'arrive même pas à arrêter que batika ko buma bato na est de la République démocratique du Congo donc voilà vraiment elo ko komisangai combattant et après sale qui combattant na to développer en haute ko tisiko na politique parce que tonga tozo le peuple peut servir aux possibilités de changer Macambo en ayant le pouvoir de le faire. Voilà. Voilà Rex Kazadi, merci beaucoup. Au lobby qui est phénomène combattant Oyo et bandan à Londres, Batouba dans les 60 à 56 ans d'âge comme ça. Et puis nous, les lobos au rajeunissement, il y a une nouvelle classe au phénomène combattant Oyo. Et ça, nous, combattant Iso, Bokechu premier pour ne citer que cela. Est-ce que l'objectif Oyo qui poursuivi, et dans la génération Oyo, Bino, pour succéder. Et ça, quand nous atteint ton dengeni, parce que oui, que nous, Bolita, Kapona, rétablissement et état des droits. Les lots au IDPS, parce que par exemple, il y a IDPS, IDPS, nous avons le pouvoir, mais les phénomènes où les combattants ils ont continué caca. Et on dirait comme il y a la main noire, moi, je continue à faire ma cambo au phénomène combattant Rex. Mais il faut y voir que phénomène combattant, comme tu dis, c'est un phénomène parce que c'est un mouvement. Pour nous, vous allez combattre, il faut que vous allez congolais. Ils ont un peu, on a vu tout ce qu'on a dit, gilet jaune en France. Tout ça, on a gilet jaune à Marseille, on a gilet jaune à Paris. Gilet jaune, nous sous Balingi qui est président Kende, Bamsou Soubazo Balingi pris à essence et quitta, combattant peut Bazan Dengwana. Ozana combattant, Moussousou, Baza contre régime en place. Il y a des combattants qui soutiennent le régime. Il y a des combattants qui estiment que Kabila a quitté, donc il faut tout renforcer pouvoir à Félix et pour que Kabila ne revienne jamais. D'autres qui sont prêts à chasser Kabila et Félix parce que Balingi que Bango batia mutu na bango on a évité peut-être on aurait un Gwanda ou je ne sais qui. Donc chaque groupe, chaque mouvement, parce qu'il y en a des dizaines de mouvements combattants. Moi j'en partiens, je t'ai dit tout à l'heure, je suis du BPK, bah, Patriotes à Congo, proche de l'UDPS. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres mouvements, comme tu as pu citer quelques noms. Bon, après, il faudra que tout na bango, exactement, objectif na bango, bazobunda contre quoi, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs. On ne les a jamais eus dès le départ. Dès le départ, on n'a jamais eu, tous eu les mêmes objectifs. Donc, il faut savoir, certaines personnes, sauf Moni Lelo, Jisma, Batumsusu, dans la ligne droite, il y a motivation, il y a le départ. Pour Batumsusu, ils allaient qui, pour que Moutou comme président de la République, donc ils étaient prêts à chasser n'importe qui. Et ben pour d'autres, c'était soutenir un changement dans le pays, donc Yangoana. Ok, voilà, merci déjà, merci beaucoup. Déjà, dès le départ, tant que tu as l'histoire, il y a 13 parlementaires où il y a eu deux pays où tu as travaillé avec ton papa, Etienne Tshisekedi du Wamulumba. Tu es pas que bit, ton objectif, c'est là déjà pour lutter contre le système dictatorial où il y a Kabongo et Mobutu. Donc, à mon humble avis, ce qui phénomène tout mouvement combattant, il faut que ça soit sans tendance, que la pension de temps sous. Soutenir politiciens quelconque, plus beaucoup à la wana juste pour revendiquer et tout révolutionner
ce qui résume aux en place tant sous soso tambola bien té vu que boza mouvement boza na posa état de droit à la penza effectif na mboka pourquoi pas koza la soit ba combattant simple bo bazo lité kaka keno ce qui régime oyé en place et que zo répondre té na ba besoin primaire ya peuple congolais boza na pona côté les mélangu OK on a place que Romona Bino Boza, Batutam Susu Bozo, Boza accroché na Ido Pes, Bozo soutenir Fati, Bamsusu Wana Bazo Lukatam Susu, na Fati, na Kabila, Bakende. Je ne sais pas, à mon humble avis, si vous voulez essayer un peu d'analyser par rapport à la question, la réponse à Yarex et aux Alani. Je vais prendre la question, parce que au lobby, au PC analyse sur la situation, mais je comprends la question, tu es posé la question de manière claire. Ok, question Zaboye, pour me faire comprendre, au lobby, Bamsusu Bazo soutenir que Fatia a le pouvoir contre que Kabila, il faut longwana Fatia ensemble. Il y a un lobby, pourquoi pas étant mouvement, Toko Bengabilo, mouvement et libération, ce mouvement, au Boza pour revendiquer que l'État de droit, il faut son Nambouka. Mais pourquoi pas beaucoup aussi qu'à la tendance, qu'on a place que Bamsusuba soutenir le président Moko, Bamsusuba soutenir le président Oyo. Pourquoi bien nous avons été capables de lutter contre le régime Nyon sur Oyo et que Tambola, contraire, il y a intérêt à la population. Parce que le mouvement va combattant, ce n'est pas un mouvement avec une seule entité et un seul objectif. C'est un mouvement populaire, c'est-à-dire que dans le quartier, il y a l'emba, il y a combattant, il y a un mouvement, il y a une idéologie. Dans le matete, il y a combattant, il y a un mouvement, il y a une idéologie. Ce qui, dans le matete, il y a l'emba, il y a une idéologie, il y a une idéologie, il y a une idéologie, il y a une C'est ça la différence qu'il y a. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour quand chaque combattant et poto, c'est tous les mêmes personnes. Non. Naïbisio tout à l'heure, il y a des multitudes de mouvements, des multitudes de groupes avec des différences idéologiques et des différences objectifs. Donc, si on a un objectif, si on n'a pas les mêmes objectifs, on ne va pas dans la même direction. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup cette réponse et Pessinga Penaba et Débélé. Mais sinon, dans le but, il y a multitude de mouvements, il y a Banalembo, Pessi Banalembo, exemple, la Bango, Bana Kingasani, Bandanga, Ba et tout consort. Mais aussi, moi, je que du fait que le mouvement est multiple, Banalembo, quand on peut s'exemple, Bata France, Bata Londres, Bata Belgique, Bata Anini. Et qui peut vous appeler occasion, mon cobo, qui peut occasionner paix, tant sous corruption, paix, côte, anakati, il y a mouvement ou abengi, mouvement combattant, tant sous bana lemba, par cause à la corrompue, tant sous par politicien moro quelconque, et bana yakinasen, puis baza corrompu par politicien moro quelconque, y a un réseau créé une confusion, bien que, bah, objectif et cause à la mon côté main, et tout y a bien que le kosangi si binusa koluka, kimia koluka, unité nationale koluka, et koluka, état de droit na mboka mais vu que ba oyo na ba oyo bazana ba coin na bango est-ce que ko faciliter corruption te ke kota na kati ya mouvement to pe phénomène combattant c'est ça lama déjà yango na ozoma na ke ba msusu so ki ba sali makambo ozoma na msusu bazo bima na ba media pour ba critiquer ba baninga msusu justement parce que mutu na mutu azo défendre boutique na e donc par rapport à politique ou politicien ou ya lingaka Oui, bah, combattant Moussous Bazali, ah, bah, va pro Fati, bah, Moussous Bazali va pro Fayoulou. Donc, bah, Koyo Kanate, pourquoi? Peut-être parce que Nassima, bah, Moussous Bazala Rana Katumbi, bah, Zora Mouambon, Katumbi, Moussous Bazana Fati, donc, Bazana va faciliter peut-être Nabatoa pouvoir, etc., etc. C'est déjà arrivé. C'est quand vous n'avez pas les mêmes objectifs, c'est normal que division est allée et puis que Moutamouta, ça, la Makamounandine, Nandela, Naye. Voilà. Voilà Rex, moi actualité au Tekoni, c'est ça qui actualité le 28 février dernier et pour un concert il y a Fally dans l'hôtel Arena ex Bercy. Rex Kaza dit personnellement vous avez qui contre concert Wana tous avez qui pour concert il y a Fally pourquoi parce que concert Wana et le but si makambo belé bimi si makambo belé na simana yango Rex vous allez qui pour to contre concert il y a Fally pourquoi franchement parlant. Nazala qui pour nazala qui tout pour concert bêtement. Et nous sommes très fiers que nous conseillons Betami. Nous avons une promotion concert. Nous avons une promotion concert depuis presque une année. Et nous avons un concert avec Zong, un concert Zongi dans toute l'Europe. Il fallait à Bettina Bercy, Zaiko à Bettina à Bruxelles. Il fallait à Robert la semaine prochaine, enfin dans deux semaines à Londres.
Abou, Pia, nous les ongles en Europe, et puis basta. Alors, bah, oh, bah, ça contenté, tant pis pour eux. Voilà. Voilà, le bindou les ongles en Europe, bon pia. Mais Rex, si tu as fréquemment, comme il y a Kinshasa, ou va y venir, comme ça, mais pas bon à côté de l'eau, comme il y a Kinshasa. Il y a carré, ou comme il y a régulièrement. Ou remarquez, Nini, que changement est commis, Penza, ou ça, malembeto, ma camoum sous ces ananas pour nous toucher. Changement est au salon, malembe, et puis ma camoum sous ces ananas, nous faut te toucher pour te changer. Le pays n'est pas encore, le pays est encore. Très loin, parce que tu es outil Moussika, tout est à faire, il y a encore beaucoup de travail, mais ma cambozo est avancé, mouké. Voilà. Oui, et Zolo Bama, Batebele Bazolo Bakeno, Rex Kaza de Koumikoya, Kinshasa Pamba, pour Ozolo Kaposte, na gouvernement ya Fati. Tu es vite Rex, au répondre d'un par rapport à la question, na Kebele Ba combattant, Koumikoya pour. Fati a pris sabino poste pour travailler naie na mandat naie oyo. Sur une ligne qui poste à Fati, j'allais pas attendre une année de bilan à Fati. Non, on a signé un poste dès le départ. Je n'allais pas faire la campagne pour Fayulu. J'allais soutenir Fati, avec qui j'ai des relations privées depuis bien avant les élections. Donc, combien d'entre eux auraient eu le courage d'avoir fait la campagne pour Fayulu alors qu'ils étaient proches de Fati? Très peu. Donc moi je l'ai fait et la Senga qui est le roté et puis la Senga qui est le remote. Depuis que nous avons la télévision ou dans la campagne, nous avons. J'estime simplement que aujourd'hui Fati c'est la meilleure transition. C'est une transition douce pour le Congo. C'est la meilleure transition. C'est le moindre mal et il faut l'encourager. Fati est mon Senga, Batouba soutenir hier, Nana Batouba y a retiré ma boko pour mboke kendeli boso. Donc c'est ce que nous faisons parce que nous pensons que c'est la bonne chose à faire. Voilà. Et Bato Bazo combattre Fati, ce sont des gens qui soutiennent Kabila sans le savoir. Donc Sokolingi Fati Kendeli Boso, il faut soutenir. Il faut soutenir Fati Otika, soutenir Kabila. Voilà. S'attaquer à Fati Lelo, et Zali qu'au soutenir Kabila. Donc moi je préfère aider Fati. C'est une manière pour moi aussi de continuer à combattre la Kabylie. Voilà. Ok, voilà, reste Kazadi, il de paix, c'est à traiter Kabila de tous les maux, à traiter régime à Kabila de sanguinaires, à traiter Bango de meurtrier, à traiter Bango de tous les noms. Mais sinon, pour la règle, c'est parce que ça pro Fati. Ozo regretté Tendenge Fati a coalisé Bongo na FCC, entre autres, na Joseph Kabila, pour une autorité morale à FCC. Bino va combattant, soit yo personnellement, Rex Kazadi. Ozo regretté na coalition, on a des mariages on a entre Kabila na Félix Tshisekedi. Nazo regrette en gros, mais c'est est-ce qu'on avait le choix? Faut qu'on ait place aux outils. Je pense que Fati a eu l'intelligence, il y a, malgré que Aïbaki Ezalaki peut-être qu'on décevoir tout le col à Bissot, ceux qu'on considère comme étant des radicaux, entre parenthèses. Il a pris une décision dans son âme et conscience où il a voulu diminuer, quitte à avoir qu'une parcelle de pouvoir, mais diminuer le pouvoir de Kabila. Et puis aujourd'hui, il essaie de construire. Le combat n'est pas fini, hein, c'est un combat de longue haleine. Il a fait une première étape. Bon, beaucoup de gens auraient voulu que ça soit radical et que Kabila se tenu sous base à la Libanda, mais sous base à la prison, etc. etc. Bon. Après, c'est le rapport de force qui fait la différence. Le rapport de force aujourd'hui a fait qu'on a pu obtenir ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui, mais on continue à se battre. C'est pour ça que les émissions qui combattent ici n'ont pas. Lélo Oyorex Kaza est toujours mon opération nettoyage, apparemment, juste à l'EMA. Et il y a des généraux, il y a des officiers, il y a beaucoup de gens qui ont perdu ma fonction. Juste après qu'on perde ma fonction, il y a perdre vie à Bango. Donc, il y a acquisé. Système Kabili que ça derrière Yango. Oh, Kabila a en coalition na Fati. C'est que indirectement Kabila peut à cause a peut impliquer na Kati. Y a un phénomène où y a une disparition, y a un généraux, y a ébélé, y a militaire, y a beaucoup d'abysso, des gros des forces sinon. Nous au courant il y a opération de nettoyage. Yo m'tozo le bac des opérations de nettoyage. En ce qui me concerne, il y a un généraux qui est mort. Paraît-il qu'il s'est suicidé. Donc, selon la thèse officielle, je n'ai pas plus d'éléments
Donc je ne peux pas te répondre sur des choses que je ne maîtrise pas. Ok, voilà, merci beaucoup Rex Kazadi pour la disponibilité. Nayo tokomi petit à petit na souka. S'il faudrait lancer aujourd'hui un message tamsusu na ba ndekunyon sur ba combattant ou tamsusu lelo ou ba komi désorienté peut-être na ba objectif na bango ezaki boso poursuivi et puis un message na ba na peuple congolais nyonso et puis un message particulier na chef de l'État par rapport au secteur moko ou ariko simba nanu en priorité pour na komeka mpe ko longola pays na situation otoza nango. On a commencé dans le chef de l'État, le message de Salaï, c'est que la sécurité, il faut renforcer la sécurité et que il y a suffisamment de sécurité pour que les gens soient dans la Libanda, dans la forêt, dans le camp, dans le village, dans la ville, dans le Ndaku. La sécurité doit revenir au Congo et j'interpelle aussi le ministre de l'Intérieur, parce que c'est aussi son boulot de sécuriser les Congolais. Azala beaucoup plus actif, parce que tout le monde a abordé les belés, Kinshasa, et tout le monde a atteint 50% de Makambo et les Karamabé, parce que Batoubazan a une impunité totale. Donc il faut absolument que la discipline est là pour que Makambo et Tambola Kitoko. Sécurité et la discipline. Deuxième chose, ce qui concerne les combattants Moussousou, je vais continuer à combattre Bango parce que la lutte na Bango est noble. Donc, je vais continuer à combattre Bango, mais je vais changer de stratégie. Les Congolais bazo supportant les sous-sutés, bah incohérence et les qui est belé, bah bêtise bouzo, bah les qui est belé, bango moko bazo se mettre na devant le monde comme un bateau mo baza y a vertu, c'est le quoi la bateau mo baza les propres, baza sans faute, alors que bah on peut baza la bagaffe, na bah bêtise et belé, y a on a crédibilité na bango quitte à Makasi au sein de beaucoup de gens, et puis bateau bâti capé aux alana bah haine contre Batou, pour la Magambouya, Yaoutiekolo, donc pour combattre Yéboué. Donc tout ça, ça doit changer. Les stratégies doivent changer, mais ils doivent continuer à rester en alerte. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec ce gouvernement, et il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ils doivent être capables de se lever, d'en parler, et de faire des manifestations, et de s'exprimer. Parce que la démocratie, c'est ça. Démocratie Yangouana. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, je te remercie de l'invitation. Et malgré que Toza Moussika, on a quand même pu échanger. Merci de tes questions et bonne continuation à toi. Voilà, merci beaucoup également. Nous aussi, on vous remercie pour notre disponibilité, Nayo. Malgré vos occupations, mais on dit quand même couper ça et temps. Et puis, ça marque déjà le respect, la considération pour la presse congolaise. En tout cas, merci beaucoup. Et nous avons invité à dédicacer ces années à la direct Kazadi à travers l'émission Oyo Micro Populaire. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais dédicacer, faut-il que l'on musicien, un musicien. Allez, ciao, ciao. Ok, voilà, merci beaucoup à vous, M. Rex Kazadi, merci pour cette disponibilité, et merci d'ailleurs pour cette marque de confiance et puis de respect que vous avez vis-à-vis de la presse, aux années d'occupation, mais vous avez quand même accepté de disponibiliser tant pour nous expliquer par rapport à Makambo Oyo, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des cabines, des gros, des forces, beaucoup de gens qui ont corrompu, il fallait que tout soit là, Rex Kazadi, par rapport à ce phénomène, tout mouvement combattant, qui a le mouvement combattant, tout phénomène commentaire et bandakala et bandan à l'ontre tout va bandan au lelo bah comme déjà bah soixantaine d'âge comme ça et bango bah nouvelle classe cette nouvelle génération au bah y est pour un peu coluca pour moderniser d'une manière ou d'une autre phénomène tout mouvement au yo combattant voilà et maintenant je pense que attirer et les sons par rapport il y a bah réponse il y a Rex Kazadi voilà grand merci déjà à l'équipe Oyo vous savez qui on a grand merci Nayo pour tout d'antibus pour la toute première fois à travers l'émission Oyo aux annonces abonnés j'aimerais aux abonnés à travers les
vraiment opposé à informer toujours notre temps réel à chaîne Abisso syndicat syndicat. Grand merci déjà à monsieur Rifin qui sont sans oublier papi Kelly et grand merci à monsieur Malila de London le champion champion Zakaka Moko Malila de London les représentants valables là-bas na Tchango nyoso na Londres na Lenzulu Kable balobi Lenzulu Kakate poza na taille Moko na Jésus monsieur Lucas Salom à la taille de Jésus depuis Londres en tout cas na pesio mbote. Grand merci à madame Mado Tibula Tibula ya Bamado en tout cas merci beaucoup pour nakimote mawana ya kibo mama aux manifestants. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup également à Madame Mirador Ngabo, présidente de l'association Mirador L'Espoir Fait Vivre. Grand merci à Madame Lauriane Maman Raissa Meshiku. Grand merci à l'équipe Nanga Mobimba. Pour ngana simbi miko mezana bato bazana sima kuna bomuna ka bango te ba héros dans l'ombre ba osala ke notoko me pana bino na ba dans de bonnes conditions puis dans de bonnes qualités. Grand merci na Mike Zaka toujours na montage Joana. Grand merci na Junior Mboy. Grand merci na Chako grand merci na ba administrateur ya chaîne au syndicat syndicat monsieur Rifin qui sont sans oublier papi Kelly. Voilà, d'ici là portez-vous très bien. Quant à moi je vais faire mes côtés toujours dans le cadre de vous informer. Je vous dis merci et très prochainement.